Faire l'ascension d'un volcan actif est toujours une expérience unique. Et réaliser des photographies haute définition de l'activité volcanique au sommet demande une grande préparation. Aujourd'hui, je vous invite à gravir les pentes de l'un des volcans les plus actifs au monde et d'assister avec moi à ce sublime spectacle de la nature, avec comme objectif de réaliser une photographie haute définition des fontaines de lave. Équipez-vous de bonnes chaussures de randonnée et de guêtres pour éviter l'infiltration de cendres. Emportez le nécessaire pour vous protéger du soleil, casquettes, chapeaux, lunettes, mais aussi de la nourriture, des fruits secs, des barres énergétiques et beaucoup d'eau. Partez avec un guide local, professionnel, et effectuez avant le départ un repérage de l'itinéraire. Et consultez le guide pour qu'il vous indique les meilleurs points de vue sécurisés. Estimez avec précision le temps de montée pour pouvoir vous installer sur place avant le coucher du soleil. Emportez avec vous un pied lourd. En altitude, les vents peuvent être forts et les pentes du volcan sont instables, constituées de lapillis, de scories, de bombes volcaniques. Pour cette prise de vue, je vais utiliser le boîtier Alpa, un dos numérique Phase One IQ3 et une optique rétrofocus Rodenstock. Le boîtier Alpa présente plusieurs avantages. Un poids ultra léger, pas de consommation électrique et une précision d'assemblage exceptionnelle. Couplé à une optique de chambre, dont la formule optique est simplifiée par rapport à des optiques autofocus, on gagne énormément en précision optique. Avec cette combinaison, vous êtes sûr de travailler avec l'un des appareils photo les plus précis au monde. Après avoir déterminé votre cadre, réalisez une calibration de votre optique, indispensable sur l'Alpa, et estimez le temps nécessaire à la calibration des noirs sur votre dos, vous n'avez plus qu'à retenir votre souffle et à profiter du spectacle.